Et bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Nous, ça va très très bien et nous en sommes à l'épisode 18, toujours accompagné de Monsieur Funeral 45972. Comment il va celui-ci? Eh ben, celui-ci va très très bien. Et vous, comment allez-vous? Bah, ça va très bien. Tu voulais me faire un plan incroyable et je crois savoir ce que tu vas faire. Tu vas sauter sur la tyrolienne juste à notre droite. Non. Pour aller directement à gauche. Non? Je vous regarde dans les yeux, comme ouais. Fait la fille. Ah, faut aller par là? Alors attends, je non, vous regarde. C'est derrière. Je vous regarde dans les yeux. Comme a fait la fille. On faut aller par là? Oui, okay. Il faut aller à la maison. On va chercher la petite maison. Je vous regarde dans les yeux et je me laisse tomber en arrière. Ça n'a pas marché. Mais tu voulais faire quoi? Mais tu sais que quand ça fait super plan incroyable, là, quand elle se laisse tomber là, en arrière, je vais faire ça. Eh ben moi j'y vais, hein. Je sais pas ce que tu me racontes, mais tu... Tiens, c'est là qu'il faut aller en plus, je crois. Où ça? Ah, Fufu! Ah ouais, merde, l'endurance! Quoi? Ah oui, l'endurance! Blague! Oh, l'endurance! Attends, je me soigne. Putain, mais c'est terrible! Ok, donc Fufu, on a une maison normalement à activer. Il faut activer le courant, donc laisse-moi checker. Si tu veux aller briser des nuques, fais-le. Tu la vois la petite maison là? Juste à côté de repos. Donc c'est où le repos? Le repos? Le repos. Je sais pas où est-ce qu'il est le repos. Tu vois ou pas? Attends, bouge pas. Ah si, je vois là. Planque de traceur nocturne. Si je fais suivre, ça donne quoi? On peut pas faire suivre. Si, c'est bon. Planque de traceur nocturne? Hein? La planque de traceur nocturne, elle est ici là. Dans le bâtiment vert. On peut y aller? Bah, faut la débloquer, ouais, apparemment. Bah, vas-y, let's go. On va essayer de tout fouiller. Oh, bah non, mais regarde, Bichette. Non? Regarde. Qu'est-ce donc? Oh, super! Tougoy. Ah oui, mais faut la débloquer pour pouvoir aller dessus plus facilement. Oh, quel enfer. Bah attends. Oui. Dans ces cas-là, on va faire ça. Voilà. Voilà la porte d'entrée, là. Pas la porte. Si je puis me permettre, la fenêtre d'entrée. Attends, t'as trouvé, toi? Oui, je suis là. À côté de vous. Derrière vous, maintenant. Attends. Ah oui, d'accord. Non, t'es dans le même bâtiment que moi. Très bien. Dis-moi quand t'arrives à trouver un moyen d'être en haut, là, mis à part qu'on fait le tour. Alors attendez, bah, là je vous suis. Bah ouais, mais non, faut pas me suivre. Faut surtout trouver l'issue. Bah s'il faut pas aller dans un autre bâtiment pour pouvoir... Bah... Ça risque d'être compliqué si c'est le cas, non? Je sais pas. Ah, attends, je peux pas m'accrocher ici, là? Aller en face. Ça s'accroche pas, là? Non, ça s'accroche pas. Ah, j'ai peut-être trouvé, regarde. C'est bon, viens. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Et c'est par contre, ça me paraît être un dédale de trucs terribles. Hein. Oui, genre devoir aller à gauche pour retourner à droite, pour aller à gauche. Ouais, c'est ce qui va se passer. Hein. Monter sur les générateurs, prendre un bâtiment annexe pour venir sur le bon bâtiment. Oh, t'as vu? Il y a un truc détecté. Hein. Bon, les gars, ça vaut quoi? Bah, c'est ici. Mais il faut activer, non? Moi, ça me dit que c'est à 45 mètres par là. Ah ouais? Bon, il y avait un petit campement, voilà, c'est la famille. Les mecs, ils sont posés, tu vois. Voilà. Mon personnage ne veut surtout pas s'accrocher, apparemment. Et ben voilà! Allez! Bon, au moins, on aura quoi se reposer. Et un toit avec de la lumière. Dans et en plus, de des petites récompenses. Donc ça, c'est plutôt cool, on prend très clairement. Donc, mon cher Pupu, ça, ça n'avait rien à voir avec l'objectif. C'était tout simplement ce qu'il fallait faire. Maintenant, du bonus. Direction la quête, d'accord? Ok. Et on est parti, elle est pas à côté. Elle est même plutôt... Non mais surtout que dans ma... Ok, d'accord, je fais un petit saut et je suis mort. Enfin, j'ai failli mourir. Hop. Dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'allais dire quoi? J'ai dit, j'ai fait un petit saut et je suis mort, quasiment. Y'a un bail ici. Yo les gars, ça va? Y'a un livre. Tu vois ce bâtiment? Ça, ça nous prendra un épisode entier, on peut pas. Oh, ça va être sympa, ça. Oh non. Oh non, ce vent de mort. J'avoue, j'y vais à contre-courant. Bon, après, c'est cool, c'est que ça nous consomme pas d'endurance, le vent. Non. Non, vous avez piqué, monsieur B-Boy, vous avez piqué. Je vais rien dire. Je t'assure que j'ai pas piqué, c'est le vent qui me mettait contre le mur et qui me faisait bugger. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, monsieur. Vous voulez que je vienne? Non, surtout pas, il faut que t'ailles à la quête, gros. Je vais à la quête. Sinon, ils vont me TP à chaque fois derrière et ça risque d'être terrible et je vais foutre en l'air. C'est là que je me dis, un petit grappin. Ça serait pas mal, là, aussi, hein. Oui, j'avoue, mais on l'a quand, ce grappin, là, qui nous le donne? Qui fasse pas les rats? Ouais,
Bah je sais pas quand est-ce qu'on l'aura ce grappin. Hein. Ce parapente, on peut le faire voler plus vite ? Non mais c'est un enfer, leur courant de merde. Ah on peut upgrader le, ouais, le parapente. Ouais, bon, c'est bon, c'est un enfer. Allez, qu'ils aillent se faire enculer. Gros, ils font des contre-courants toutes les deux secondes alors que t'as pas envie d'y aller. Allez. Alors. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Pourquoi, quand j'ouvre le parapente, il le relâche? Tu maintiens carré? Bah oui. Alors je ne sais pas. Bah moi non plus. J'essaie de trouver... Personne ne sait ce qui se passe. Putain, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, je vais briller. En vrai, reste au sol. Hein. Mon personnage, il s'accroche à un mur. Moi, traceur nocturne. C'est dur, hein, ce jeu. Hein. J'aimerais bien, putain. Ces gens, c'était vraiment quelque chose, Aiden. Des héros. Ok, le j'arrive. Le truc que j'avais en commun. T'es bientôt eux, c'était la drogue. Ouais, mais moi, je suis au sol. Hein. Je cours par terre. Hein. Ça m'a saoulé de faire Spider-Man en parapente. Et en vrai, cours par terre parce que l'objectif est au sol. Hein. L'objectif est même pas... Putain. Il est même pas en l'air. Hein. Donc t'emmerdes même pas avec un parapente, tu te fous au sol et tu cours quoi. Bonjour messieurs les zombies. Allez, je pense que tu sais. Oh là là. Tu sais, ils ont fait des trucs avec. Tu vois, l'air, ils gèrent pas les mecs. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah. Ça peut être faisable sans que ça soit un immeuble des enfers. Alors c'est l'immeuble de la caisse. C'est tellement lent. Tellement. C'est l'immeuble de la caisse. Bah, je suis sûr qu'il faut améliorer le parapente pour qu'il soit entre guillemets bankable. Bah, là, c'est. Bah oui, parce que là, c'est vraiment pas. C'est pas ça qu'est ça, comme on dit. Hein. Non. Est-ce que je peux déjà voir ce qui est améliorable? En fait, je pense qu'on est dans la phase du jeu où tant qu'on n'est pas un minimum upgrade, c'est un peu un aller simple. Ouais, c'est un peu un aller simple pour en faire, tu vois ce que je veux dire. On peut complètement. C'est pas vrai, je me fais mal pour rien, mec. Mais franchement, on reste au sol, hein. Genre c'est par terre le truc. Oh attends. Oui. Je suis sur un truc qui peut être intéressant. Fufu, je crois. Peut-être de quoi faire un repos ou autre. Il faut qu'on aille dans une planque pour bicraft des trucs parce que là c'est un enfer. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur général? Défi de parcours, rien à péter. Allez, on se casse. C'est à 70 mètres, c'est où? Ah bah c'est là, c'est au sol. Fufu, utilise ton truc. Ouais. Bon. Voilà. Allez, bon, en vrai, c'est pas mal pour amortir sa chute. Ouais, c'est ça. Mais pour se déplacer pour le moment, non, je suis pas fan. Ça deviendra un abri et tutti quanti. Ok, c'est pas mal. Surtout qu'il y a un conteneur d'inhibiteur à proximité. J'ai passé 8 minutes à m'énerver sur le parapente. Et ça, c'est beau. Et beau, c'est ça. Toi, t'as vu des signes de renégats dans le coin? Non. Tu vois, soldat? Calme-toi et laisse Aglotte réfléchir. À quoi bon? Pourquoi ne pas retourner à la base? Mais qui t'es, toi, d'ailleurs? Quelqu'un qui propose son aide. Je vais vérifier ce qui est arrivé au courant. Vous savez quelque chose à propos de ça? Ce sont des informations militaires top secrètes. On veut juste savoir comment aller là-haut. Vas-y, dis-lui tout, pourquoi pas? Jusqu'au moindre détail. C'est quoi le grand secret, hein? On doit faire marcher ce merdier, c'est ça le secret. Mon collègue simplifie beaucoup trop les choses, mais l'essentiel est correct. Il y a des signes évidents du retour de l'électricité. Ici, nous avons ce qui semble être une sous-station. Les sous-stations sont capables de faire circuler l'électricité dans toute la ville. Nous avons l'ordre de refaire fonctionner ce bâtiment. C'est-à-dire de le rallumer. Malheureusement, sans matériel d'escalade, nos possibilités d'accès sont sévèrement limitées. Vous voulez du courant pour les pacificateurs? Vous allez en faire quoi? Brancher des trucs. Qu'est-ce que tu crois? Le monsieur ici présent doit se demander quel serait l'effet sur les autres personnes si le contrôle du pouvoir était entre les mains des pacificateurs. La réponse est cependant relativement simple aussi. Quiconque contrôle l'électricité contrôle la ville. Oulala. Ok. Dans tous les cas, j'ai pas besoin d'équipement pour monter là-haut. Je peux grimper là-haut sans équipement. Vraiment?
Tu rendrais un grand service au pacificateur. Hé, connard en uniforme! L'électricité fait sortir tous les papillons de nuit! Qui te demande qu'est-ce qu'il vient de dire? Je pense que c'était un truc à propos de sa mère. Et d'une chèvre? Abruti de pacificateur! On va prendre cette électricité! Merci beaucoup! Ok! Donc eux, c'est les fameux renégats qu'on a entendu parler. Ouais, la fameuse... bah, les ennemis quasi numéro 1, on va dire. Exact. Oh, ce que je vais coller. Oh ! Les mafias ! Oh. Oh la vache ! Putain, ils résistent bien, eux, hein ! Bah t'as vu, il a une tenue de motocross. Mais il résiste trop bien, mec, oh, tu sais de la frère du... Bah voilà. Attends, tu t'es fait monter en l'air, là. Ouais, moi j'ai même pas besoin de tout ça pour... Attends. Ils esquivent tous ces bâtards. J'ai l'impression de ne faire aucun dégât. Ouah, quoi? Ton perso, il a une animation, c'était trop drôle. Hop, oui, on fouille, rien à péter. Okay, mort. Quel... Oh merde! Il a perdu son bras! Ouais, pas de bras! Bah, pas de bras! Pas de chocolat! Il dirait, il n'y a plus de chocolat maintenant. Ah, si! Il y a bien quelqu'un qui fait sa petite ferme avec des petits chocolats, tu vois. Mec, fait dire. Des petits Ferrero Rocher au calme. Et ben voilà! Il a intérêt de les manger. Allez, venez, on reprend position. Putain, regarde comment il revient énervé et tout. Je te jure. Ah, fallait attendre qu'il reprenne sa place. Donc là, on va avoir un choix. Bah, et le donner soit à eux, soit. Qui t'a appris à te battre comme ça? Aux autres. Je m'appelle Aiden. Ouais. Eh les gars, vous la connaissez celle-là? Que dit la balle au type qui s'est fait abattre? Il est mort. Ah, je fais que passer. Je fais que passer. Je fais que passer. Ouais. Voilà. Tu lui as coupé les membres avec une machette, Nitaf. Techniquement parlant, c'est une arme de mêlée, alors que les balles sont réservées. Content de voir que tu vas bien. Ok, lui, il a l'air de balancer des infos tel un robot. Pas gratuitement, bien sûr. On récompense les spécialistes comme il se doit. C'est le moment ou jamais. Si t'as besoin d'aide, gueule un bon coup dans la radio. Aglot, maîtrise d'électronique. Cependant, d'ici, je ne peux pas estimer le niveau des dégâts causés à l'appareil. Aglot, un don pour l'électronique. Pourtant, okay. Son cerveau, il a l'air grillé. Ok, ok. Mais ça va, ils sont C'est cool. C'est le moment opportun oui. pour lancer l'opération. Je suis fou, fufu. Non, mais reste digne. Mec, regarde. Descends de là. Quoi? Ouais, montre-moi. Mais non, ouais. Mais à la base, je devais sauter là-dessus, là. Nickel. Allez, viens. Je crois que c'est par ici, mon fufu. Voilà, ensuite, c'est là. Ensuite, tu vas là. Ouais, ensuite, je vois très bien. Tu vas là, tu longes, fufu. Tu me suis, hein? Ouais, je te suis, je te suis. Ensuite, tu vas là. C'est bon? Ouais, ensuite, ouais. Hop, tu sautes là. Parcours, 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 parcours. Voilà, tu vas ici. Voilà. T'es avec moi? Ouais, t'as l'endurance. Une fois que t'es avec moi, parcours. Parcours. Voilà, t'es toujours avec moi? Oui, oui, oui. Ok, allez, viens. Viens, j'avais vu ce poteau. Tout va bien se passer. Tu me suis? Ouais, je suis à côté de toi. C'est ta main sur ma main là, que je sens? Exactement. Voilà. Non, fufu! Wow. Tu vois, tu fais des petites sens. C'est, ça, c'est pour le suspense de live. Des sensations fortes, tu vois. Pas trop non, ça. Fufu, ce jeu de merde! La grosse contre le mur, c'est ça? Putain! Quelqu'un était le mur, c'est très ça pressé quand ils l'ont mis hors ligne. Je suppose que le circuit principal. Ah, je peux faire un voyage rapide. J'arrive. Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émetteur.
Ça c'est bien fait pour le coup. Je crois que c'était plutôt moi qui allais MTP sur toi. Non, t'inquiète. Alors, la station électrique est l'un des deux sites présents dans la ville. Une fois la construction terminée, vous pourrez l'assigner à l'une des factions. Bon, ça, c'est le classique, on l'avait déjà vu. Pour activer, vous devez réparer les connexions entre les générateurs. Commencez par trouver un générateur en service, lumière verte, et relie-le au générateur en lumière rouge. Ok. Une fois en service, la station électrique alimente divers éléments, des zones commerciales, des boîtiers électriques et tout. Quente ! Donc, ça vaut le coup de faire toutes les stations. Ouais, et l'inhibiteur, bon, bah là, c'est le truc rouge. L'inhibiteur, il est... Au-dessus, en bas. Là. En bas. De quoi? Quel inhibiteur? Il y a un inhibiteur ici. Ouais, mais attends, on rallume pas avant? Ah si. Mais c'était attends, si on était à côté. Ah non, regarde là, easy. Là, il y a un bail aussi, là. Tirer câble. Ok. Pufu, je peux tirer un câble, mais... Je pense qu'il faut que tu aies du parcours avec. Non, oh les bâtards, si près. Il est trop court. On me le dit souvent. Et est-ce que je devrais le mettre en bas en vrai? Bah ouais, essaye. Ouais, mais attends, lui il est vert, lui en bas. Bah oui, non mais il faut relier des verts à des rouges. Alors attends. Ah, fufu. Oh non, j'ai plus de vie. Ah là, est-ce que... Oh mais quelle vie, ouais. Mais quelle vie. Ok, ils ont des numéros. Il est à quel numéro le tien? Je sais, oh bah j'en ai aucune putain d'idée. 1, 2, j'ai rencontré des pacificateurs qui pouvaient pas se rendre même. Le rouge là-bas il est 3, lui il est 2. J'ai un 1 là. Tu devrais les voir. Il est où le rouge? J'ai du mal à J'ai un 3 là-bas. 1, ok, je m'occupe des 1. 2. Ok, le 2 il va là-bas. Je saurais même pas quoi faire s'ils étaient pas dans l'équation. Ok, en plus, le 1 c'est. Oh là. Ils sont en bas et c'est moi qui suis en haut. Bah non, mais vu que je me suis accroché que j'ai pas. C'est difficile hein. Pas. C'est dur, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont leur propre sort. Ah, mais non, bah le 2 avec le 2, ça va pas marcher, hein. Mais non, mais on doit en faire 3. Donc mets le 2 avec le 2. Je vais y réfléchir. Voilà. Ah, mais c'est trop court. Le 2 avec le 2, c'est celui que j'ai essayé. Là, j'ai un 3 là. Attends, quoi? Non. Question raconte. Moi, j'ai déjà fini ici et toi, t'es en train de faire le con là-bas. Tu dis n'importe quoi. Toujours en compétition, hein. Bichette. Oui. Là, j'ai mis le 1. Ça marche très bien. Donc, le 2, il est où? Bah, c'est moi qui. J'ai le 2. Non, mais t'as trouvé le câble numéro 2? Oui. Mais il est en haut, le câble est trop court. Donc, j'ai branché le 2 sur le 3. Non, ça marche pas. Ouais, mais ça marche pas. C'est pas orange. Donc, débranche. Bah, si, il est orange. Non. Regarde. Là, il est orange, là? Non, il est rouge. Il est pas jaune. Il est jaune, là. Moi, je le vois rouge, hein. En haut? Non, là où tu es. Ah, il est. Eh, il est jaune? Non, attends, hop, je débranche. Ah oh bah là il est rouge. Non mais il était rouge, je pense que ça marchait pas. C'est bon. C'est bon Fufu. Voilà, le 2 et le 2 ça marche très bien. Parfait, maintenant trouve le 3 s'il te plaît. Donc celui qui est tout en bas avec celui du dessus, ça roule? Le 3 est là, je l'ai. Donc amène-le tout en bas. T'es où? En bas. Voilà, et comme ça c'est fait. Vas-y. Ah non. Merde, y'a pas assez de mètres. Non mais, faut que tu fasses du parcours, t'as compris le but du jeu? Tu ouais, sais pourquoi tu joues à Daylight ou pas? Je vois pas de trou ici. Tu vois pas de trou, tu fais pas l'effort de voir de trou. Ah, par là peut-être. Attends, là, voilà, c'est ça. Allez. Voilà, parfait, c'est bon? Je fixe le câble. Voilà. Câble bon. Fixé. T'as réussi, tu vois, t'es pas si con que ça. Qu'est-ce que tout le monde te dit depuis ta naissance? Active l'unité de contrôle dans la salle de commande. Ok, y'a des trucs ici tout en bas. Fais-moi rappeler que quand on a remis le courant. Oh, go prendre. Go prendre l'ascenseur pour l'inhibiteur. Je voulais juste dire de quoi que tu te sentes apprécié. Go prendre l'ascenseur. À quel point c'est important. Parce que l'inhibiteur, c'est un étage qu'on veut pas atteindre. Merci. Enfin, j'imagine. Non, mais attends, attends. Pufu, il y a la suite de la quête, mais regarde ce qu'il y a en bas là, viens. Là. Oh, t'as vu ou pas ça? I'm coming. Verrouillé de l'intérieur. Tu vois ou pas? Ah ouais, c'est verrouillé de l'intérieur. Bah. C'est ça. Bon. On continue la quête, on trouvera certainement. Là, ça s'ouvre. Ah, là. Putain, mais l'ascenseur maintenant. T'es où? Ah, c'est nul. T'es où?
Mais non, mais qu'est-ce que tu branles là? Allez, viens. Non, mais j'ai ouvert une porte, mais ça m'a ramené sous l'escalier. Viens, on peut prendre l'ascenseur. Hop, je me casse. Salut, mon pote. Oh putain, t'es là? Bah ouais. Richard. Je suis comme ils font les PNJ, CP tout le temps. Bah, je suis pareil. Voilà. Non, je veux pas ça, moi. Voilà, je veux ça. Oh, ouais. Oh, oh yes. Oh là 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 là. Bon, endurance? Ah ouais, endurance. En dudu, hein. En dudu, hein. En quoique santé aussi, hein. Prochain, je mettrai en santé, hein. Voilà. Ça s'arrête plus, ça me fait plaisir. Attends, oui. Tiens. Oui. Regarde, voilà, bichette. Il y a forcément oui. Un moyen dans l'église. De parler au prêtre? Non, d'aller en bas. Ah. Ah oui, pour aller là où c'est fermé de l'intérieur. Ouais, bah on ira plus tard, vas-y, on active. Je pense voir où c'est. Comme ça, on va pouvoir faire le choix. Ok, bah vas-y, viens. Allez, c'est parti. Attends, okay, non, bah, annule, annule. Pourquoi? Ah non, ça m'a dit une fois l'électricité revêt, ça annulera tout le butin. Ah ouais? Ouais, ça m'a mis ça. C'est mort, on peut plus annuler, c'est pas des lol. Alors attends, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai presque envie de le mettre aux survivants juste pour avoir des tyroliennes entre les bâtiments. Ouais, c'est exactement ce à quoi je pensais, mec. Attends, canon lame, c'est quoi? Ah, mais après, il y a airbag, sac d'atterrissage et tout. Ça changera, donc on rajoute des tyroliennes. Oh, tyroliennes double sens, à la fin. Et là, oh. Ça fera quoi? Voiture canon piégée. Canon à lame, ouais, canon à lame, c'est nul. Piège électrique, c'est nul. Plaque arbalète, c'est nul. Lanterne molotov, c'est nul. Pendule, c'est quoi? C'est le truc qui fait le pendule. Un tramway ou quoi? Ah oui, mais c'est nul. Piège à UV. Ouais, en gros, c'est que quand t'es au sol, quoi. Ouais, bah. Mais vu qu'on est jamais au sol. Ouais, je suis d'accord. Allez, on moi, je suggère survivant. Let's go. Ouais. Allez, survivant cette fois-ci. On va enfin avoir des tyroliennes. Très content. Ouais. J'espère qu'il y en aura partout. On va y en avoir deux qui vont se battre en duel. On va être déçus. Et c'est la fin du rêve. Aiden, t'as réussi. Qui l'a cru? Attends, sois pas si surprise. Oh, je te fais marcher. Retrouve-moi à la cantine. Regarde aux jumelles. Sûrement oui. Des petits trucs à, tu vois. C'est le début de quelque chose de magnifique. Sûrement, voilà. Encore un truc de détecté. On ne s'arrête pas, monsieur funéral. On ne s'arrête pas. Ah, que vois-je? Château d'eau. Château d'eau, si on donne, tu sais ce que c'est, hein. Viens, on s'en occupe. C'est de l'eau? Mais non, mais gros, c'est une station électrique. Une station électrique. En vrai, je pense qu'il peut être pas mal, mais c'est non, de donner... Château d'eau, frérot, on peut l'offrir à 600 mètres là-haut. Ah oui, pour avoir un bonus supplémentaire. Ben... Je viens de penser à un truc, mais sur le... Oui. Je pense que c'est pas mal de tout donner aux rebelles pour avoir les tyroliennes à double étage, là. Enfin, faut voir s'il y a autant de tyroliennes que ça. Ouais. Mais elle est où la couchette ici? Pourquoi voulez-vous coucher? Bah oui, il fait nuit. Mais comme ça, au prochain épisode, on va à l'hôpital. Ah, tu veux y aller? Mais il est à côté ou pas? Non. Sans doute, je saurais pas comment y retourner. Bon, on y va vite fait. Ah putain, en bas, maître artisan et tout. Oh, let's go, le parachute. Hop. Let's go. Oh non. Bonjour. Tu peux me sauver derrière toi, s'il te plaît? Je peux me sauver derrière toi. Je vais rien dire. Tu vois, je garde mon calme parce que je vais finir sur une note très positive. Très positive, oui, en ça, on peut faire des flèches et tout. Des lames infectées. C'est incroyable, des grenades maison. Qu'est-ce qu'il a à vendre? Des flèches. Gel. Attends, vendre tous les objets de valeur, c'est fait. Entaille, embrasement, acide. Modification d'armes, massacre, fléau, avalanche. Bah attends. Ah, améliorer mec. Ah oui, parapente, effectivement. Ouais. Je vais l'améliorer. Ah, technologie militaire, donc ça sert à ça. Ça tout sert uniquement ah à améliorer le parapente, mec. Heureusement qu'on en a chopé. Augmente la maniabilité et la portée et permet d'augmenter la hauteur de vol. Améliorer direct. Hein. Bon bah les technologies ouais, militaires, c'est direct. Oh putain, ça coûte cher. Bah non, ça va, non? 2000 le prochain. Attends, moi ce qui me fait peur, c'est pourquoi on est à 1 sur 3 toujours. Parce que bah on peut l'améliorer 3 fois.
ajoute la capacité de booster la vitesse. On va sprinter, on lâche une caisse en plein vol et pff, hop, et on décolle. Hop, let's go. Est-ce qu'on modifie, on modifie des trucs ou pas? Moi, ça me parle. Moi, j'ai acheté des plans. Et je les mettrai en fonction. Je pense améliorer mes kunai, mes couteaux de jet. Ah putain, j'ai pas vu ça. Non, je vais améliorer ça. J'améliore mes soins, mec, hein, parce que c'est un enfer. Hein. Ouais, les soins. Ouais, j'ai amélioré mes soins. Bon, bah c'est pas mal. Il faut des trophées affectés inhabituels. Il en faut plein, dis donc. En vrai, je pense que je vais prendre l'habitude de tout acheter maintenant chez un mec, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Je pense qu'il faut faire ça, hein, vraiment. Mon matos va te changer la vie. Voilà. Hop là. Alors, le château d'eau. J'ai tout acheté. Maintenant, je pense qu'on va tout acheter parce que sinon, c'est terrible. Booster d'endurance. Ouh, il y a des hurleurs partout. Il n'y a pas un petit lit qui traîne dans le coin. Ah, je te le... Aïe. En plus, le lit, ça va nous remettre nos PV à fond. C'est parfait. Oh, des barres UV. On peut acheter. Ouais, j'en ai un. J'ai acheté aussi. Attends, bouge pas. Non, parce que maintenant, faut te l'équiper aussi. Toi, t'es mignon. T'as quoi la barre UV? Mais j'ai déjà l'équipé. Non. Je vais pas appuyer dessus parce que j'ai peur de l'utiliser sans le vouloir. Et ben voilà, j'ai plus rien à faire. FAR, rien à faire. Bah là, je peux littéralement plus craft. Niveau craft, j'ai l'impression d'avoir des trucs de ouf, mais en fait, apparemment, ça pue sa mère, hein, ce que j'ai, hein, vraiment. Hein, c'est... où est le lit? Faut prendre le lift. C'est-à-dire? Ah, ok. J'arrive. Ça veut dire lit en anglais, c'est le mec. Hop, voilà. Bon. Non, mais on s'accroche... Non, mais je vais vriller. On s'accroche à tout et rien, putain. Hop, c'est incroyable. Terrible, Fufu, dis quelque chose. Écoutez, je me suis fait une raison. N'en dis pas plus. Regardez le soleil qui se lève en bas à droite et de ben votre voilà. Écran. Allez, on va pas s'arrêter là. On va aller château direction d'eau. Notre prochaine mission. Qu'est-ce qu'on a de sympa dans les alentours? Ça, c'est vraiment ce qu'on... On va pas au château d'eau? On avait dit château d'eau. Il ouais, est château très d'eau. Loin, mec. Hein. Bah, on avait dit château d'eau, comme ça, on leur offre. Et comme ça, on a deux trucs. C'était quoi le deuxième truc? Sinon, non. On va aller là. Oh oui. Oh oui, monsieur funéral. Vous voyez mon point ou pas de navigation? La maison verte? Ouais. C'est quoi la maison verte? Je vais briller. C'est immanipulable leur truc. Tu mets 2 heures à sortir ton parapente de salope. C'est non, quoi la maison verte? Je suis désolé, mais faut le dire là. Mais, pas là où je t'ai dit. Voilà, je me suis coupé, je me suis ouvert, mais j'aurais rien à péter. Allez, on va pas me casser les couilles. C'est par là que vous avez noté? Viens. Oui, je vous suis. Voilà, juste suis-moi. Ne pose plus de questions. Ah, le A, c'est quoi le A? Ne pose plus de questions, oui. Suis-moi. Mais c'est un A. Tu poses trop de questions déjà. Tu viens, c'est à 180 mètres et ça sera très bien comme okay, ça. Ok, c'est le A. Ah oui, ton point, c'est un A, d'accord. Ah bon? Ouais. Bah, là, y a quoi là? Il faut sauver le mec? Rien à péter. Rien à péter, malheureusement. On moi, j'ai rien vu, rien entendu. Hop, je fouille. Un bracelet. Hop, voilà. Ça est. Le premier qui me casse les couilles va prendre sa part pour 8 générations. Hein. Voilà. Allez! C'est moi la fontaine où l'eau est jaune? Là, Fufu, on va avoir peut-être un petit problème. T'es en hauteur, c'est ça? Ah, c'est le mouling! Voilà! Oh putain! Incroyable! Attends, là, c'est trop beau ce qui se passe quasi. J'ai presque envie de chialer là. Je suis déjà tout en haut. Genre, tu enchaînes. Ah ouais! T'es ah, un beau gosse. Oh Fufu, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai compris le jeu. Hop, une glissade au ralenti parce que c'est ridicule et c'est beau. Oh Fufu, j'y suis! Mais tout s'est trop bien passé! Tu fais la roulade? Je récupère espoir! Attends, qu'est-ce que. Fufu, je vais briller. Attends. Ok. Mais pourquoi il faut toujours qu'il y ait une barre immonde là? C'est une belle barre olympique. Oh non, j'ai pas assez sauté. C'est bon, j'ai réussi. Dis-moi quand elle descend. Okay. Elle descend.
attention. Je vais pas me déplacer, c'est tellement ridicule. Quoi? Ok. Ensuite. Faut aller en face. Faut reprendre la barre. Ouais. Allez. Attends, et si on court sur le mur à gauche? On sautera pas assez haut. Fufu, je suis passé en dessous. Fufu, I am passed en dessous. You are passed en dessous, carrément. Eh ouais, je peux l'activer. Ah, je peux l'activer maintenant le moulin, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, je dévisse un fusible et je le remplace. Parfait. Je pense que c'est parce que c'était un moulin. Je sais pas pourquoi. Non, je pense que. Non, c'est parce que j'étais en dessous, je pense, cette fois. Tu sais, j'étais compris dans le moulin. Ouais, je suis un mec qui était flou. On est d'accord ? Ouais. Il a été flouté et tout. Il veut rester anonyme. Nous l'appellerons Jean-Guy. Let's go ! Un nouveau moulin pour terminer cet épisode, et ça c'est beau. Et oh, ouais. C'est un beau moulin. Magnifique en effet. Belle installation là qu'ils ont là. Hein. Très très belle installation. Pas une petite installation. Je me fais TP en bas du moulin. Hein, voilà. Et moi je suis en haut, hein, donc nickel. Allez, on va localiser 2-3 petits trucs aux journals. Mm-hmm. Et bon. Moulin avancé fait. Il y a tout qui s'affiche à l'infini, gros, hein, incroyable. Je jure. Ça fait bam bam bam, planque d'Aiden, bam 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 bam. Double planque, clip, pouf, échangeur, pouf, fil, pouf. De l'argent, pfff, des niveaux, pfff, ça s'arrête plus. Lampe UV, pouf, combat, pouf, agilité, pouf. Parapente, pfff, gap, pfff, il est beaucoup trop fort, pfff. on va s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ferme de citrouille, c'est des zones UV. Il y a des petites zones UV à gauche, à droite. Par contre, il y a un parachute, gros. Parachutage militaire, tu sais ce que ça veut dire? C'est là où il y a les cartes électroniques. Donc, oui. Là, il y a 3 parachutages dans cette zone. Si on les prend, on pourra encore améliorer le parapente. En vrai, c'est un bon épisode. Oui, c'est un très bon épisode. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Il est temps de s'arrêter là. On vous fait des bisous. Fufu, un dernier mot pour la fin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bye.